Commandant Shepard, veuillez entrer votre mot de passe pour recevoir un cadeau gratuit. Des problèmes ? Veuillez me donner votre mot de passe, Commandant Shepard. Le silence est d'or. Heureuse de vous rencontrer enfin, Commandant Shepard. Je suis Kasumi Goto, une grande fan. Cerberus vous a parlé de la mission ? Très franchement, ça m'étonne qu'elle ne soit pas venue à moi plus tôt. Mais ça doit être parce que je suis difficile à trouver. Qu'est-ce qui vous a amené à eux ? C'est assez compliqué, mais pour faire court, ils me cherchaient. J'ai donc voulu savoir ce qu'ils me voulaient. En fait, ils cherchaient quelqu'un pour se joindre à vous et à votre importante mission. En échange de mon enrôlement, ils m'offraient des primes à la signature des plus intéressantes. Vu que j'avais besoin d'aide pour l'un de mes coups, j'ai fait un marché, et me voilà. J'imagine que ce marché me concerne. Oui, ils ont dû oublier de vous en parler. Je recherche la boîte grise de mon ancien partenaire. Un homme du nom de Donovan Hawk l'a prise, mais je veux la récupérer. Cette boîte grise, c'est bien une sorte de matériel informatique. C'est un implant neuronal qui stocke les souvenirs, les pensées, les codes secrets et les informations confidentielles ou illicites. C'est illégal presque partout. Celle que je recherche appartenait à Keiji Okuda, mon partenaire. Nous avons longtemps travaillé ensemble avant que Hawk ne le tue. Que savez-vous sur Donovan Hawk ? Monsieur Hawk est un homme d'affaires très respecté. Il revend des armes, il élimine des gens. Bref, ce n'est pas un modèle de bonté. Sa demeure est réputée pour être inviolable, mais je connais la faille qui nous permettra de rentrer. Je suis sûre que vous allez adorer. Parlez-moi de votre ancien partenaire. Il s'appelait Keiji Okuda. C'était le meilleur hacker et voleur que je connaissais. Malheureusement, il lui a suffi d'un dérapage pour ruiner sa réputation. Il a volé quelque chose qu'il n'aurait pas dû. Il m'a dit à quel point son erreur était grave. Car, si sa découverte se savait, une guerre interstellaire pouvait éclater. Cette erreur lui a valu la mort. Qu'est-ce que c'était pour que les enjeux soient si importants ? Je ne sais pas. Il s'est contenté de me dire que c'était dangereux, et que si cela se savait, l'humanité risquerait d'en subir les conséquences. Il a crypté cette information et l'a stockée dans sa mémoire. Pour décoder les données, il faut passer en revue toutes les années que nous avons passées ensemble. Ses souvenirs sont tout ce qu'il reste de lui. Je comprends pourquoi vous voulez la récupérer. Il me sera plus facile de la récupérer avec votre aide, Shepard. Si c'est ce que Cerberus vous a promis, nous nous en chargerons. Ce sera sympa. Et avec un peu de chance, on n'aura même pas besoin de sortir notre arme. Terminons-en déjà avec ça. Vous avez l'air stupide à parler à une publicité. Rendez-vous sur le vaisseau. Je peux vous aider ? La dernière fois que je suis passé par ici, c'était il y a 2 ans. La sécurité s'est renforcée depuis. Après l'attaque des Geth, les protocoles de sécurité ont été réévalués. Il y a eu quelques changements mineurs apportés pour réduire les risques d'infiltration Geth. Veuillez nous excuser pour ce désagrément. J'ai pas l'impression que les Geth soient du genre à se fondre dans le paysage. C'est dangereux de se fier à ces impressions. La sécurité passe par la vigilance. Merci de votre aide. Suivant ! Ça, les bleubites, c'est une bastosphéreuse de 20 kilos. Sous-pesez-moi ça. Toutes les 5 secondes, le canon principal d'un cuirassé de classe Everest accélère à 1,3% de la vitesse de la lumière. Ces impacts... De toute évidence, la sécurité s'est renforcée depuis votre dernière visite. Éteignez-moi ça. Quoi ? Vous pensez vraiment que... Bon, d'accord. Pardon pour le désagrément, commandant. Nos scanners donnent un résultat erroné. Ils semblent croire que vous êtes mort. J'ai été porté disparu il y a 2 ans. Vous voulez bien aller en parler à mon capitaine ? Il peut rétablir vos privilèges dans notre système. Vous le trouverez de l'autre côté des scanners, sur votre droite. Il va falloir le faire crier un peu. Il va pas tout te déballer pour tes beaux yeux. Je sais, chef. Si t'as pas le courage, ou bien si tu crains que ça rentre dans le rapport, je peux m'en occuper. Non, chef. Je vais le faire. Oui ? Je vois déjà le problème, commandant Shepard. D'après ma console, vous êtes mort. Vous ne craignez pas que je sois un imposteur qui essaie de se faire passer pour le commandant Shepard ? Nous avons le meilleur équipement de détection de la galaxie. Ces scanners peuvent extraire des échantillons d'ADN d'un prélèvement de peau.
Pour tout vous dire, si vous avez un mode génétique non déclaré, ça sera détecté. Votre sergent a dit que vous seriez en mesure de m'aider. En temps normal, il faudrait faire la demande au centre administratif du SSC pour réactiver vos identifiants. Puis passer par les douanes et l'immigration pour pouvoir accéder à la citadelle proprement dite. Avec un crochet par le trésor public, tant que vous y êtes. Faire le morse est une niche fiscale très pratiquée. Mais je vois que vous êtes quelqu'un de très occupé. Alors ce que je vous propose, c'est d'appuyer sur cette touche. Et l'affaire est réglée. Ça m'irait très bien. Voilà, vous pouvez y aller. Cela étant, je vous conseille de faire un tour au Présidium. Le Conseil aurait sans doute envie de savoir qu'un de ces spectres portés disparus court toujours. Ouais, je vais y aller. Ce serait pratique d'avoir accès aux ressources du Conseil et des spectres. Ouais, le Conseil a accès à tout et n'importe quoi. C'est ça l'avantage de bosser pour le SSC. Quand on a besoin d'équipement, d'infos ou d'argent, on l'obtient. Enfin bref, il vous faut autre chose ? Ou bien je peux reprendre le travail ? On dirait que vous avez réparé le gros des dégâts après l'attaque de Sovereign. Le Présidium était pas mal amoché. Ils ont commencé par là, bien sûr. Tous les secteurs ont reçu des débris quand le vaisseau a explosé. Le gros des dégâts était superficiel. Les Veilleurs nous ont retapé ça en moins de deux. C'est le secteur Taïsiri qui a le plus morflé. L'opéra d'Ilinaga s'est pris un énorme morceau sur le coin de la gueule. Ils en sont encore à déblayer les décombres et essayer de remettre le courant. Parlez-moi de cet endroit. Tous les secteurs sont plus ou moins cosmopolites. Mais les quatre autres sont dominés par les Asari, les Turiens ou les Galariens. À Zakera, il y a de grandes enclaves Volus, Elcor et Anari. Plus Shinakiba, une zone commerçante humaine. On a 2-3 Krogan par-ci par-là, et j'ai cru voir une Carienne l'autre jour. À ma dernière visite, il n'y avait pas de capitaine humain au SSC. Il y a eu pas mal de victimes dans le service quand les Geths ont envahi le Présidium. La division d'intervention a méchamment dégusté. Du coup, ils ont arrêté de mettre d'office les CV humains à la poubelle. Il leur fallait de la chair en uniforme. Et c'est nous qui avons la chair la plus rodée. Faut que j'y aille. Si vous avez besoin d'autre chose, faites-moi signe. Ravi de vous revoir, Shepard. La Citadelle n'avait pas eu le plaisir de votre visite depuis 2 ans, 3 mois et 17 jours. Voici le centre de transport du secteur Zakera. Vous pouvez accéder aux navettes publiques et aux boutiques par le cordon de sécurité du SSC. Qu'est-ce qu'il y a comme boutique à ce niveau ? À ce niveau, il n'en existe qu'une. La boutique de souvenirs de la Citadelle vous propose des articles commémoratifs de votre visite. Ces modèles réduits de vaisseaux ont bonne réputation. C'est tout pour l'instant. Merci d'avoir utilisé Avina. Je vous souhaite une bonne journée. Bienvenue sur Citadel Newsnet. Je suis Emily Wong. Les représentants de l'Alliance Interstellaire n'ont pas souhaité s'exprimer sur le désastre qui a récemment frappé la colonie de Freedom's Progress. On estime que cet avant-poste humain a été détruit et qu'il n'y a pas de survivants. Les relais d'information étant inopérants, très peu de détails ont filtré. Ce drame s'inscrit dans une série de disparitions de colonies frontalières humaines. Le sanctuaire des porte-flammes, Anari, a annoncé tenir une veillée funèbre en mémoire des victimes. Les Anari soutiennent que les colonies disparues sont le signe du courroux des protéens suite à la profanation d'une balise de données protéennes sur Eden Prime il y a 2 ans. C'est quoi ? Avec les lacs du Présidium, ça grouille de poissons. Mais non, voyons. Est-ce que tu y as été, toi ? Non. Je me fais refouler par le SSC, soi-disant que je suis dangereux. Ah, c'est la même rengaine pour tous les Krogan. Connard de Turien. On devrait tous les tuer. Bonjour. Bienvenue à la Citadelle. Vu que ces boutiques sont la propriété du Conseil, est-ce que les fonctionnaires ont droit à une remise ? Oui, tout à fait. Quel est votre poste ? Je suis un ancien spectre. Ça alors ? Je ne savais pas qu'un spectre pouvait démissionner. Cela dit, je ne crois pas que vous puissiez bénéficier d'une remise. Un peu de pub de l'homme qui a vaincu sa reine, ça vous dirait ? Vous êtes Shepard ? Juste au ciel. Oui, ça augmenterait mes recettes. Je peux bien vous consentir une ristourne. Vous voulez que je fasse quoi ? Que vous alliez enregistrer une petite phrase dans ma console. Je suis le commandant Shepard, et cette boutique est ma préférée de la Citadelle. Formidable. J'indique à mon IV d'ajouter ça immédiatement à notre marketing.
Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Vos expéditions risquent d'être un peu fades à mon goût. Fades ? Un humain peut à peine abattre un Varenne sauvage. Les Chattas, je n'en parle même pas. Pour qui vous vous prenez ? Eh bien, je m'appelle Shepard et... Shepard ? Celui qui a éliminé sa reine Arterius ? Tiens, vous me connaissez ? Par les esprits. Shepard dans ma boutique. Dites, vous ne voudriez pas m'enregistrer un petit spot de pub ? Pourquoi pas ? On peut envisager une remise ? Une remise ? Vous pourriez même me demander de donner votre nom à mon premier-né. On peut faire ça maintenant ? Allez parler dans ma console. Je suis le commandant Shepard et cette boutique est ma préférée de la citadelle. Ah ! Ça va faire pâlir d'envie les autres boutiques d'armement ! Intéressant. Vous avez testé Galaxy of Fantasy ? Il est terrible ce jeu. C'est basé sur la mythologie turienne, mais c'est ultra jouissif. Il paraît qu'il y a 11 milliards de joueurs maintenant. Vous avez des jeux à revendre ? On vous fait un rabais de 2 crédits sur l'achat d'un nouveau titre. Le public est intrigué par votre histoire, Shepard. Kalissa bin Sinan al-Jilani pour Westerlo News. Je vous ai interviewé il y a 2 ans, lorsqu'on vous a nommé Spectre. Votre plaidoyer était plus que convaincant. Vous auriez une minute ? Vous m'avez fait passer pour un traître à la cause terrienne, un vendu à la solde du Conseil. Au final, vous m'avez donné tort. Maintenant que vous avez refait surface, vous êtes de nouveau au centre de l'actualité. Je tiens seulement à donner à votre histoire tout l'éclairage qu'elle mérite. D'après nos sources, vous étiez en première ligne lors de la bataille de la Citadelle. Il semble que vos décisions ont lourdement pesé sur le cours des événements. Si nos informations sont justes, vous auriez exigé de l'amiral Hackett qu'il appuie le Destiny Ascension, une manœuvre qui a coûté la vie à des centaines d'humains et assuré la pérennité du Conseil. La poursuite d'un objectif supérieur impose parfois des sacrifices. C'est le fardeau du commandement. C'est une réalité commune à tous les soldats sur le terrain ou en salle de tactique. Je n'ai pas pris ces décisions à la légère. Je ne voulais pas vous accuser de... Heureusement pour vous, je vous interdis de salir la mémoire de ceux qui ont donné leur vie ce jour-là. Ce sont des héros, tous autant qu'ils sont. Vous leur faites honte. Le commandant Shepard, le premier spectre humain, héros de la bataille de la Citadelle. Vérifie les images, c'est dans la boîte ? Génial, je me fais rembarrer dans ma propre émission. Ça fait des années que je n'étais pas venu à la Citadelle. Je sais pas si on peut parler de meilleure soupe, mais en tout cas, les vieux pots sont bien là. Il y a des gens qui aiment ça, l'immobilisme. Vivre en faisant comme si tout allait continuer indéfiniment. Cet entretien serait plus productif si Udina consentait à nous rejoindre. Mon assistant est indisponible. En tant que conseiller, je représente la voix de l'humanité et de l'Alliance. Shepard arrivera d'ici... Ah, commandant, nous parlions justement de vous. Ça faisait un bail, Anderson. J'espère que vous avez profité de ces 2 dernières années. J'ai eu des hauts et des bas. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Nous avons entendu bien des rumeurs concernant votre retour inopiné. Certaines sont préoccupantes. Cet entretien a pour but de vous laisser vous expliquer, Shepard. Nous vous devons bien cela. Après tout, vous nous avez sauvé la vie durant le combat contre Saren et ses guettes. Les récolteurs enlèvent des colons humains dans les systèmes Terminus. Pire encore, nous pensons qu'ils travaillent pour les moissonneurs. Les systèmes Terminus sont hors de notre juridiction.
Vos colons ont quitté l'espace concilien en toute connaissance de cause. Vous omettez le plus important, conseiller. Les moissonneurs sont impliqués. Ah oui, les moissonneurs. Ces vaisseaux immortels doués de conscience qui, à vous croire, sommeilleraient dans l'abîme. Nous avons déjà statué sur et rejeté ces allégations. Shepard, personne d'autre que vous n'a rencontré l'hologramme sur Ilos qui vous a révélé l'existence des moissonneurs. Vos coéquipiers et vous avez été les seuls à parler à Sovereign. Je vous crois. Mais en l'absence d'une deuxième source pour corroborer vos dires, les autres pensent que c'était Saren qui menait l'attaque des guettes. Retournez parler à Vigil sur Ilos, ou bien examinez les restes de Sovereign. C'est une technologie bien plus avancée que la nôtre, ça crève les yeux. L'hologramme sur Ilos n'est plus fonctionnel, et nous n'avons rien trouvé qui indique que Sovereign n'était pas une création des guettes. Les guettes sont capables de véritables prouesses technologiques. C'est sans doute pour cela que Saren les a recrutées. Cette théorie des moissonneurs ne fait que mettre en évidence votre fragilité mentale. Vous avez été manipulé par Cerberus d'une part, mais aussi par Saren. J'ai empêché Saren de conquérir la citadelle. J'ai sacrifié des vies humaines pour sauver ce conseil. Comprenez notre position, Shepard. En vous alliant à Cerberus, un ennemi avoué du conseil, vous êtes passible de haute trahison. Vous allez trop loin. Shepard est un héros. En tant que membre de ce conseil, je ne tolérerai pas cette mascarade. Nous pouvons peut-être parvenir à un compromis. Sans pour autant vous soutenir publiquement, nous pourrions vous fournir un appui indirect. Shepard, si vous faites profil bas et cantonnez vos opérations au système Terminus, le conseil est disposé à vous réintégrer en tant que spectre. Votre offre, vous pouvez vous la carrer profond. Je n'ai pas eu besoin de vous pour arrêter Sovereign, et ce n'est pas maintenant que ça va changer. Nous avons tenté d'être raisonnables. Tactique inappropriée. Si vos actions mettent en péril la sécurité de l'espace concilien, nous prendrons des mesures. Prenez garde, Shepard. Vous voilà avertis. Bon, ça ne s'est pas passé aussi bien que je l'espérais. Ce ne sont pas des bureaucrates et des politiciens qui vont arrêter les moissonneurs. C'est vrai. Ne vous inquiétez pas pour le Conseil ou l'Alliance. Je vais faire ce qu'il faut pour qu'ils vous lâchent la grappe. Tant que vous restez dans les systèmes Terminus, ça ne devrait pas poser de problème. Anderson, nous devons parler de Shepard. Qu'est-ce que vous fichez ici? De tous ceux que je n'avais aucune envie de croiser, vous êtes en tête de liste. C'est réciproque, croyez-moi. Votre retour est un cauchemar bureaucratique. J'ai invité Shepard à une audience avec le Conseil. Nous venons de terminer notre entrevue. Vous avez quoi? Conseiller, les mots bourbier politique ont-ils seulement un sens pour vous? La survie de l'humanité est en jeu. C'est ce qui devrait vous importer, à vous aussi. Les soldats, vous êtes tous pareils. Vous chargez tête la première sans jamais vous inquiéter des conséquences à long terme. C'est moi qui prends les décisions, Odina. Quant à vous, vous êtes là pour arrondir les angles, c'est compris? Bien sûr, conseiller. Vu ce qui nous attend, je ferai bien mieux de m'y atteler. Je serai dans mon bureau. Désolé. Il n'a pas digéré qu'on m'ait préféré à lui pour siéger au conseil. Je dois parfois le remettre à sa place. Pourquoi est-ce que vous le gardez? Je dois admettre qu'il a son utilité. Il connaît les intermédiaires les plus influents de la citadelle. Sans compter qu'il ne se fait pas prier pour remplir mes obligations diplomatiques. Qu'est-ce que vous devenez depuis le temps? Je n'avais pas prévu de couler mes vieux jours au sein du Conseil, loin de là. Parfois, j'ai l'impression de me cogner la tête contre les murs. Connaître la vérité sur Sovereign, ça tient du cauchemar. On ne peut reprocher à personne de refuser d'y croire. Mais je sais à quel point c'est important, alors je persévère. C'est pour la bonne cause, n'est-ce pas? Combien de temps a-t-il fallu pour remettre la station en état? Nous n'en sommes pas encore là. Les principales zones de commerce et d'habitation sont déjà réhabilitées, mais d'après nos estimations, les travaux prendront encore 5 ans. Quant aux veilleurs, ils nous surprennent de jour en jour. Nos interventions les gênent plus qu'autre chose. Ils corrigent la moindre imperfection en l'espace de quelques jours. Personne n'imaginait les voir à pied d'œuvre. J'ignore d'où ils tirent leurs ressources, mais sans eux, nous n'arriverions à rien.
Personne n'a conclu que Sovereign n'était pas une création Get. Personne n'a examiné l'épave. Ces débris se sont abattus partout sur la station. C'était le chaos. Des morts partout à extraire des décombres. Il ne reste plus grand-chose à examiner. Nous avons isolé autant de fragments que possible, mais entre les veilleurs et les récupérations sauvages, c'est à peine si on en a retrouvé la moitié. Raison de plus pour refuser d'admettre ce qu'était Sovereign. À ce qu'on dit, la guerre contre les Geth se poursuit. Ici et là, mais ils sont de moins en moins organisés. Ce n'est plus une guerre à proprement parler. Il s'agit plus de nettoyage. Il reste une menace, bien sûr. Mais on n'a eu à déplorer aucune perte notable au cours des derniers mois. Lorsqu'un vaisseau civil détecte une de leurs enclaves, nous détachons un escadron pour faire le ménage. Ils n'ont plus rien des épouvantails qu'ils étaient autrefois. Je ferais mieux d'y aller. Bien sûr, Shepard, je comprends. J'aimerais pouvoir en faire plus, mais si vous avez besoin de parler, vous savez où me trouver. Un dernier conseil, soyez prudent. Cerberus n'est pas digne de confiance. Bienvenue chez Saronis Applications. Je peux vous proposer... Oh ! Shepard ! On se connaît ? Vous, non, mais moi, oui. Même un Anaris Sénil se rappellerait l'humain qui a repoussé les guettes. Je croyais mort. Ouais, on me le dit souvent. Je vous en prie, jetez un œil à ma boutique. C'est un honneur de vous accueillir. Vous savez, j'utilise pas mal de logiciels dans ma profession. C'est hallucinant que si peu de monde comprenne l'équipement. Enfin, à part les interfaces de navigation Point and Go ultra-intuitives, bien sûr. Vous n'avez pas idée du nombre de fois où on m'a dit « Pourquoi est-ce que le vaisseau fait demi-tour ? On n'est qu'à mi-chemin. Je compatis. Vous savez, j'aime bien vos produits. Un peu de pub de l'humain qui a vaincu sa reine, ça vous tente ? Avec joie, mais je ne crois pas avoir les fonds pour ça. Vous en faites pas. Qu'est-ce que vous diriez d'une petite remise ? Sans problème. Allez parler dans ma console, là-bas. Je suis le commandant Shepard, et cette boutique est ma préférée de la citadelle. Ça va être fabuleux. Je monte ça tout de suite et je diffuse aussi sec. Merci infiniment. Ça pourra toujours servir. Bonjour, citoyen. Bienvenue à la Fondation Sirta, filiale de Zakera. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer vos tarifs. Ils sont un peu exorbitants. Si je peux me permettre, notre fondation est à but non lucratif. Un pourcentage de nos recettes est consacré à la recherche contre les maladies génétiques. Vous savez ce qui pourrait booster vos ventes ? Avoir pour porte-parole l'homme qui a vaincu sa reine. Oh ! Par la déesse ! C'est vous, Shepard ? Je me trompe ? Je vous fais la remise consentie à nos employés si vous nous rendez ce service. Topela. Allez parler à ma console, là-bas. Je suis le commandant Shepard, et cette boutique est ma préférée de la citadelle. Je vais intégrer ça tout de suite à notre marketing. Merci. Tu en penses quoi, Michael ? On devrait peut-être prendre l'immunostimulant, non ? Il paraît que... Les bactéries aliens. Je suis le commandant Shepard, et cette boutique est ma préférée de la citadelle.